Opération de mise en terre des plans dans le village Tchelati, dans la sous-préfecture de Baro. Nous sommes dans le Guéra. C'est une initiative de quelques cadres du tiroir avec à leur tête le vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Khaddam. Reportage Moussa Mbodo Abdoulaye. Éducation scolaire et environnement riment désormais ensemble. Bâti sans clôture, le collège d'enseignement général communautaire du village Tchelati dans la région du Guéra est exposé au risque de tout genre. Dans le but de préserver et protéger les élèves, Moussa Khaddam, député de la région, donne le ton. L'initiative de mettre en terre des plans du premier vice-président de l'Assemblée nationale vise à offrir un environnement favorable aux élèves et enseignants de cet établissement. Élèves, parents et quelques habitants de cette localité se sont mobilisés pour soutenir cette œuvre. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, cet acte s'impose. Nous sommes venus soutenir une initiative communautaire. La population, aujourd'hui, 29 juillet, a décidé de délimiter ce périmètre-là à travers des plans qui poussent rapidement et qui peuvent donner une image, une unité de l'installation ici. Séjournant dans la région, Moussa Khaddam a saisi l'opportunité pour échanger avec sa population de base. Au menu de leurs échanges, le sujet lié à la scolarisation des enfants, le manque du personnel enseignant et l'insuffisance de matériel didactique.